Yo les gens, qu'est-ce que comment allez-vous? Qu'est-ce que j'ai un pote, un très bon ami de 51 ans qui se fait bouffer le cerveau par une meuf de 26 qui maintenant vit chez sa tante et sa cousine, ok, qui pourrait faire un travail à mi-temps. Ils engagent facilement des nanas dans la vente ici et elle le fait pas, elle fait juste des tricots, des trucs comme ça qu'elle vend sur internet, mais ça c'est un extra quoi, non? Et puis elle fait tout pour qu'il ait pitié d'elle et il lui a filé 4000 soles, ce qui fait plus ou moins 1500 dollars, non? Et après elle dit ouais mais je vais te retourner l'argent, mon oncle à Cusco il a plein de thunes, je lui ai demandé mais elle le fait pas. Et carrément il lui fait livrer des menus chez elle, il va lui payer son fitness, enfin vous voyez le truc quoi. Enfin, elle est très très maligne hein. Et en plus quand elle le baise elle se met 3 bouteilles de vin, donc on a compris quoi, on a compris. Bon, elle est très très sexuelle, très perverse, mais elle l'utilisera pour sa bite, j'en sais rien, mais bon franchement quand tu vois le type on dit Homer Simpson, il est pas moche hein, mais il s'est détruit avec l'alcool quoi. C'est une bonne personne. Puis en plus, elle ne dit pas où elle est, c'est pas vraiment un couple. Elle l'aime pas, lui il l'aime à mourir, mais elle l'aime pas. Puis lui, mais moi je l'aide de mon propre chef, etc. Ouais, mais bon, t'es tout le temps en train de boire parce que tu t'es jaloux, parce qu'elle te dit pas tout, elle te cache. Elle veut même pas se montrer avec toi dans la rue. Je sais pas, franchement, elle retourne cachette, c'est quoi? C'est quoi ça? C'est quoi ça? C'est pas normal ça. Elle pense que je suis comme une meuf jalouse. Non, simplement moi j'ai un autre pote aussi. Enfin c'est un pote à lui qui essaie de l'aider, d'ouvrir les yeux.